Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le premier dossier du parc, qui concerne une créature aussi terrifiante que fascinante. Venu tout droit d'Amérique du Nord, il est le plus célèbre des dinosaures carnivores, il était le roi il y a 66 millions d'années, mesurant 5 mètres de haut et pesant un peu plus de 7 tonnes, voici notre femelle tyrannosaure, Matilda. Au début du parc, il nous fallait quelque chose d'excitant, qui allait attirer les visiteurs, et aussi les terrifier. Nous avons donc créé un T-Rex. Nous avons pu l'observer au cours de sa croissance, et nous avons fait des découvertes intéressantes. Premièrement, cet animal possède des sens bien plus développés que ce que nous pensions. En effet, sa vue est semblable à celle d'un aigle, et son odorat est bien plus performant que prévu. Nous avons à plusieurs reprises testé ses capacités de chasse, en lâchant des gallimimus dans son enclos. A chaque fois, la proie n'a pas survécu plus de quelques minutes. Nos observations ont également montré que visiblement, le T-Rex n'est pas si éloigné de nos oiseaux modernes, surtout vu la manière dont il se nourrit d'une proie fraîchement capturée. Cela, en effet, n'est pas sans nous rappeler nos rapaces actuelles. Outre toutes ses capacités, une autre chose nous a surpris. En effet, Matilda a montré une formidable capacité d'adaptation et un intellect moins limité que ce que nous pensions au début. La section sécurité a d'ailleurs bien du mal à conserver ce titan dans une zone sécurisée. Tous les types de clôtures ont échoué à le maintenir confiné, ce qui nous met face à un fait terrifiant. Si elle veut sortir, elle y arrivera. Matilda est d'ailleurs responsable d'une brèche de sécurité qui a coûté la vie à de très nombreux visiteurs. En effet, durant une des nocturnes du parc, un jour où le parc est ouvert la nuit, Matilda s'est mise à rôder près des clôtures avant de s'acharner sur l'une d'elles. Après plusieurs coups très violents, la clôture a cédé, et on s'est retrouvé avec une machine à tuer de 7 tonnes au milieu des visiteurs. Il y a eu plusieurs morts, elle s'est déchaînée sur tout ce qui courait dans tous les sens, et on a mis un sacré bout de temps avant que l'unité confinement parvienne à l'arrêter. Cela a donné des images rares d'un dinosaure transporté au clair de lune par hélicoptère. Bon, après cet événement tragique, on s'est retrouvé devant le tribunal. Encore. Mais bon, on s'en est sorti sans trop de problèmes, et le plus cocasse, c'est que nos chers marketeux nous ont pondu une nouvelle campagne de com qui a été très efficace. Il y a encore plus de monde qu'il y a notre parc, donc bon, tout est bien qui finit bien. Pour ce dossier en tout cas. La prochaine fois, nous parlerons des plus gros herbivores qui ont jamais vécu sur notre planète.